monde peut t'abandonner. Le monde peut te délaisser, te mépriser. Ne fais pas de toi aucun cas. Mais la bonté, mais la miséricorde, mais l'amour est là. L'amour est là. Parce que ce monde ne te donnera pas le cadeau. Mais c'est lui, le Seigneur aujourd'hui, te donnera le cadeau. Te donnera les cadeaux. Me donnera les cadeaux. À cause de quoi? À cause de sa bonté. À cause de quoi? À cause de, je répète, à cause de sa bonté. Parce que la Bible déclare en disant ceci, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Quand je me réveille le matin, quelle que soit la situation, je pense une chose, cette chose. La bonté de l'Éternel se renouvelle à moi. Marche la bonté de l'Éternel, marche avec moi. Parce que dans sa bonté, j'ai tout ce qu'il me faut. Dans sa bonté, j'ai l'amour. Dans sa bonté, j'ai la miséricorde. Dans sa bonté, j'ai la compassion. Dans sa bonté, j'ai sa bonté. Dans sa bonté, j'ai tout fait changer ma vie. Qui peut transformer ma vie pour dire que ta bonté se renouvelle chaque matin. Quand je dors comme un petit enfant, je ne sais pas quoi que je vais faire demain. Mais toi, dans sa bonté, tu sais ce que moi, je vais faire. Parce que, il faut que les gens sachent que ta bonté, c'est renouvelé chaque matin, mes amis. Et c'est renouvelé chaque matin. Vous pouvez vous poser la question en se disant ceci. Qu'est-ce que tu dois faire demain? Mais non, ce n'est pas ton problème. Le problème de celui dont sa parole, ça s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est qu'il a déclaré que sa bonté se renouvelle chaque matin. Et chaque matin, quand je me réveille, je dis, sa bonté, elle est là. Elle me procède. Elle me procède. Comme il avait dit aux Juifs, en disant, qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Celui qui vous cherchait parmi les morts, il est déjà ressuscité. Sa bonté est déjà là. Et c'est l'Éternel là. Vous êtes déjà précédé. Alléluia. Oh mes amis. Alléluia. Je m'étonne, Seigneur, là, ce qu'il est en train de vous faire tous ces matins. J'ai préparé la prédication. D'ailleurs, pour aller relire la prédication, sorti encore avant que la réunion commence, dans la voiture, pour aller lire. Mais j'arrive ici quand on commence à s'entendre, ce n'est pas ça. Quand tu as préparé, tu as quitté, ce n'est pas ça. Alléluia. Parce que... Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ça, mon Dieu. Il y a la présence d'une façon dont je ne sais pas comment vous dire, amen, mais il faut le sentir. Amen. Parce que ça, cette personne qui le sent, il est tout d'un coup, tu dis que ça. Quand ça descend, ça se transforme. Quand ça se transforme, tu n'es plus la même personne. Tu regardes la situation, tu dis toi, situation. Viens vous lire, c'est maintenant la vie de la crainte. Ah, et lui, je dois pas prier pour toi. Abba, merci pour ta bonté. Merci pour tes amis de miséricorde. Gloire à Kodéchi. Qui est derrière moi devant ton peuple? Je me prosterne devant la splendeur de Yeshua Mashiach. Je me prosterne, parce que sans lui, je ne sais pas quoi dire à tes enfants. Sans quoi? Sans toi, je ne sais pas quoi parler. Quoi parler? Comme Moïse avait dit, je ne sais pas parler. Mais l'Internet avait dit, qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi l'Éternel? Elle m'a dit, ah oui, c'est toi l'Éternel. Comment c'est toi l'Éternel? Tu sondes le cœur et le cœur. Sondes le cœur et le cœur. Tu connais toutes les besoins réels, spirituels, psychologiques, financiers. Tout ce que tu sais, c'est toi. Parce que ta bonté, c'est déjà réalisé. C'est la raison pour laquelle si nous sommes là, parce que ta bonté nous a convaincus, d'être là pour t'écouter, toi et toi seul. C'est la raison pour laquelle dans ce livre, nous proclamons une fois de plus la présence du Saint-Puissant des joies. Que l'ange de l'Éternel le voit, qui est déjà présent, veille avec son épée, comme il l'a veillé ce jour-là devant Josué. Josué a dit, qui es-tu?
Qu'est-ce que tu es venu faire? Et l'ange lui a répondu, je suis venu pour te secourir. Et cet ange avait dans sa main l'épée qui brillait en disant aujourd'hui, c'est le jour favorable. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel va délivrer son peuple. Et il va délivrer son peuple. Parce que l'épée que je suis à la main, c'est moi, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Eh papa, merci pour cet ange qui est là, si présent. Qui est là, Père de gloire et d'amour et miséricorde, avant que j'ouvre ma bouche, l'ange que déjà l'avait que son épée. Au Père de gloire et d'amour, nous aider à remporter la victoire dans les noms puissants de Yeshua, HaMashiach. Et cette victoire, elle est certaine. Et cette victoire, elle est acquise. Parce que la bonté de l'Éternel s'est renouvelée ce matin. Nous vivons dans ta bonté. Amen. Et tout ce que nous allons faire ce matin, c'est dans ta bonté. Sois béni et glorifié au nom puissant du Seigneur et sur le Christ. Amen. 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 Jésus, terrible. Oh mon Dieu. Amen. 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 Regardez d'abord la personne qui est en face de Dieu. Regardez d'abord dans le visage de quelqu'un. Tu sais que la bonté est là. Tu lui dis, toi, c'est toi qui le prends. Tu sais que la bonté de l'Éternel est là. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. La bonté de l'Éternel, elle est là. La bonté de l'Éternel, elle est là. Et comme la bonté de l'Éternel, elle est là, le thème de ce matin, c'est quoi? C'est la restauration, c'est-à-dire l'Éternel veut te restaurer. Yes. Vous écoutez bien? Il veut te restaurer, il veut te restaurer. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Il veut te restaurer dans chaque situation. Là où tu es là, là je t'ai dit, regarde la situation. Tu vois, regarde la situation. Elle est là. Regarde la situation. Elle est là. Regarde, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Et, là, je dis, tu es en retard, toi. Je suis venu aujourd'hui ce matin pour toi, pour faire quoi? Pour te restaurer. C'est le nom pour la que ma bonté s'est renouvelée chaque matin. Pour faire quoi? Pour te restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous prenons alors tes paroles sans tarder parce que aujourd'hui vous allez écouter. Alléluia. Nous allons lire Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 5. Mais l'ange prit la parole. L'ange prit la parole. Et dit aux femmes. L'ange prit la parole et dit aux femmes. Vous savez, ce n'est pas pour aujourd'hui parler des femmes, non, ce n'est pas là. C'est pour vous dire la grâce que vous, les femmes, vous avez de la part de l'Éternel, avant que je commence la prédication de ce matin. La grâce que les femmes ont de la part de l'Éternel. Pourquoi il n'a pas dit, l'ange a dit que l'ange prit la parole et dit aux disciples. Il n'a pas dit l'ange pour la parole de ça aux disciples, mais l'ange pour la parole de ça a dit aux femmes. Pour vous, ne craignez pas.
craignez pas. Ne craignez pas. Alors, pourquoi l'ange a dit aux femmes et pas aux disciples? Les disciples étaient aussi dans la tête, mais n'étaient pas là. Les disciples étaient aussi dans la crainte, mais ils n'étaient pas là. À cause de quoi? À cause de la crainte. Vous savez la crainte. La crainte. Combien de chrétiens vivent dans la crainte? Et vous là qui me regardez, qui m'écoutez. Là, regardez, la crainte de ce qui va arriver demain. La crainte de ceci. La crainte de ceci. La crainte de. La crainte de. L'ange est arrivé et prit la parole et dit aux femmes. Et dit aux femmes. Pour vous. Pour vous, ne craignez rien. Ne craignez pas, ne craignez pas. Alléluia. Là, ici dans ma Bible, c'est là où je vois bien. La Bible qui m'a été offerte, c'est là. C'est là où quand je lis dans cette Bible ici, je vois bien. Alléluia. Amen. Et c'est là où j'ai souligné là. Parce que Dieu est l'inspiration, il va carrément vous chanter là. Moi j'ai l'esprit. Alors il lui dit, ne craignez pas. Regardez maintenant. Avant que on commence par ce quoi, on vous dit, ne craignez pas. Alléluia. Amen. Tiens la main de la personne comme ça. Tiens, comme j'étais en partage. Tiens la main de la personne. Dis à la personne, ne craignez pas. Ne craignez pas. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu crains? Pourquoi tu poses la question? Pourquoi tu crains? Pose la question. Pourquoi tu crains de ta situation? Hé, les enfants, vous aussi les enfants. Allez, les enfants, prenez la main, allez. Bien, répétez. Pourquoi tu crains de la situation? Quand on vous voit, hein? Alléluia. Alléluia. Quand l'ange vous voit, l'ange de l'éternel vous voit, à cet instant-ci, il va le voir. La crainte, pourquoi? Vous avez la carte de la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi la crainte? Écoutez, moi je répète encore, j'avais préparé une prédication, mais j'arrive là, quand vous chantez vos affaires, là, j'ai pas toujours vos affaires, vous êtes dans la relation à l'ouage, le roi vous me dit, non, charge ta tout ce que tu as fait. Mais dit ça, la crainte, pourquoi? Pourquoi la crainte de la situation? En disant, mais pourquoi? Hein, regarde, regarde, regarde. Pourquoi? Hein? Papa, pourquoi? La crainte. Pourquoi? Et les disciples là étaient loin. Enfermés. Ici là, on est là. On ne peut pas venir nous. Le toucher. Mais la femme dit, mais non. Les femmes, ça devait être le matin pour aller embaumer le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Dans leur tête, dans leur esprit, ils croient qu'ils vont faire quoi l'embaumement. Ils vont embaumer le Seigneur et le Sauveur de Jésus-Christ. Ils arrivent là-bas. Ils sont bien accueillis. Elles sont femmes, la femme, elles sont bien accueillies. En arrivant là-bas, elles sont bien accueillies. Pour vous, ne craignez pas. Oh, mais toi, tu viens pour un moment, pour faire quelque chose. On te dit le contraire de ce que tu es venu faire. Quand la crainte était seulement chez les femmes. Donc les disciples aussi, je dis bien, la crainte aussi. Ils sont restés là.
enfermé dans la prière. Plutôt, mais le Père dit, non, on va l'enlever, notre boulot, nous allons l'encombrer parce qu'il est déjà mort. Oh, le Dieu est déjà. Quand vous êtes arrivé avec même la crainte, quand vous pouvez dire, ne craignez pas. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont retrouvé le tombeau vide. Le sépulcre vide. Regarde maintenant la situation. C'est vide, hein? Et la crainte, comme ça, hein? Embrasé. Et directement, l'ange a dit, vous, dit aux femmes, pour vous. Et là, il dit bien, c'est bien ici. Pour vous! Pour vous, ne craignez pas. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Dans leur esprit, les femmes cherchaient Jésus. Qui était crucifié. Elles ne savaient pas que Jésus était déjà ressuscité. Elles croyaient que. Bon, c'est lui qu'on aimait bien. Et bon. Allons faire l'amour. On va l'embaumer, comme d'habitude. Et j'ai dit avec l'ange, j'ai dit, oh, bonne nouvelle. Les gars d'abord. Et l'ange était, je vous ai déjà parlé de la pierre. L'ange était assis sur la pierre. L'ange était assis où? Sur la pierre. Donc, le tombeau était vide. Ils ont. La crainte est maintenant. C'est multiplié. Alléluia. Alléluia. Quand il y a n'importe quelle situation, quel est le premier mouvement? Le premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. Premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. Il ne faut pas se cacher en disant non, moi je prie, je suis porté, je suis fort, patati, patati. Premier mouvement, c'est quoi? C'est la crainte. C'est la raison pour laquelle l'ange a pris la parole. Mais pour vous, comme on dit ce matin, pas l'ange, hein? Pour nous, ne pas peur. C'est lui que nous cherchons, il est ressuscité. Donc le mot crainte là, aujourd'hui, ce matin. Qu'est-ce que tu vas faire? Regarde, viens faire ceci. Il va ôter les mots dans ton dictionnaire de la tête. Le mot là, crainte. Quand l'autre se présente une situation, non, la première chose c'est la crainte. Oh, je comprends maintenant. Quand il y a la situation, la première chose c'est la crainte. Regardez, quand la crainte surprend la personne, la parole qui va sortir dans ta bouche, ce n'est pas, ce ne sera pas la parole de l'assurance. Parce que quand il y a la crainte, il n'y a plus l'assurance. Vous voyez mes amis? Okay, la parole qui va sortir dans ta bouche, ce n'est plus la parole de l'assurance. Parce que tu es embrouillé. Tu es dans la crainte. Alors comme tu es dans la crainte, il te faut quoi? Il te faut de ne pas avoir peur de la crainte. Et puis il dit, c'est lui qui fait quoi? Et vous cherchez. Pourquoi? L'ange a dit, c'est lui qui vous cherchez. N'est-ce pas ta parole le bien nommé ceci? Cherchez le Père tandis qu'il est. Il est prêt. Il est prêt. Nous cherchons le Père. Mais les femmes qui étaient là, cherchaient qui? Ils cherchaient l'Éternel. N'est-ce pas? Ah voilà. Est-ce que nous cherchons l'Éternel?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne, qu'est-ce que tu dis? Mais oui. Hein? Parfois nous cherchons celui qui est la solution à tous nos problèmes. Mais nous disons que nous le cherchons, mais on ne le cherche pas. Alléluia. Amen. On croit qu'on cherche l'éternel, mais on ne cherche pas, on cherche la solution à nos problèmes. Les femmes là, dans leur tête, étaient venues pour embaumer le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Ils cherchaient pour vous faire quoi, embaumer. Mais c'est lui qui cherchait pour aller embaumer. À ce moment-là, on ne peut plus l'embaumer parce qu'il est déjà ressuscité. C'est lui qui était en train de chercher. La crainte que tu as. Parce que tu cherches le Seigneur, mais le diable est cité. Dans ta situation, on a prêché ici. On nous a prêché ici. La résurrection est du mal, n'est-ce pas? Hein? Hein? Parce que vous croyez qu'il est ressuscité. Parce que quand on dit qu'il est ressuscité, réellement, il est ressuscité. Hmm? Pourquoi? La question que je me pose toujours, que nous posons ce matin, pourquoi alors nous cherchons la solution à notre problème ailleurs? Oh, il est là, le diable. Alléluia. Amen. Dis à la personne, la solution que tu cherches, c'est la solution de l'art. La solution que tu cherches, c'est la solution de l'art. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut de ne plus chercher la solution, gaga. Parce que l'être humain a toujours tendance de chercher la solution de qui? Gaga. Parce que ces femmes-là, cherchent, on va aller le chercher, hein, pour aller l'embaumer. Mais tu vas embaumer celui qui est déjà ressuscité. Comme nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous cherchons, il est là. La bonté de l'Éternel, c'est le nouvel combat. Chaque matin. Amen. Comment on ne peut pas les invoquer et dire, tu es là au cœur de ma vie. Quelle que soit la situation, tu es là. Pourquoi vous cherchez la société de la guerre? Oh, il est déjà là. Alléluia. Amen. Nous cherchons, oh, il est déjà là. Il n'a pas besoin qu'on puisse chercher la solution. Oh. D'accord. Il a besoin qu'on puisse aller vers lui, parce qu'il est déjà là. Ces femmes-là, allez les chercher, ils croient qu'ils vont l'embaumer. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens parfois nous disent, okay, je dois prier pour cette situation, je dois gêner, je dois faire ceci, je dois faire ceci, je dois faire ceci. Tu t'es fait une liste là. C'est pas quel monde qui te vit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est là. Le pain est là. Avec cette alerte, on va aller l'embaumer. On va faire ceci, hein. On va faire ceci, hein. On va faire ceci. Parce que, oh là 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 là. Oh là 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 là. Nous, qu'est-ce que nous faisons? Parfois, on oublie qu'il est là. On cherche à une autre solution. Alléluia. Alors, cherchez autre solution. C'est dit, non, ne cherchez pas notre solution. Il est déjà ressuscité dans notre vie. Bon. Un autre point. L'ange le dit, il n'est point ici. Il n'est point ici. Pourquoi il a dit ne pas? Parce que Seigneur, ce que Dieu a ressuscité, il a précédé déjà. Écoutez-moi, regardez-moi. La situation qui te tourmente, qui te préoccupe, la situation n'est point là. Parce que physiquement, tu vois que la situation est là. Mais spirituellement, la situation n'est point là. Il n'est point là, la situation. Tu es en train de chercher la solution. Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça ne bouge pas? Pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? On a toujours tendance à dire, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? La solution, tu as déjà précédée. Dis à la personne qui a trouvé ta loquette,
La solution de ton problème t'a déjà précédé. Regarde maintenant. Le papa, comment on a dit aux femmes, il ne boit ici. Non. Il ne boit ici. Où est-ce que l'on boit? Quand l'Éternel savait qu'il était son. Là, il savait que l'Éternel nous a déjà précédé. Quand on l'a dit qu'il nous a déjà précédé. Quand ils ont dit aux femmes, ils ont déjà précédé. Ils ont déjà précédé où? Quand on te dit que la solution déjà t'a précédé, ils ont dit où? L'être humain a besoin de faire quoi? De voir. De les toucher. Hein? De voir. Oh, quand il prie. Quand il prie, ce que tu dois savoir, et dans sa volonté, il se renouvelle. Il a déjà précédé de donner la solution. Quand est-ce que nous louons l'Éternel? Entre nous, quand est-ce que nous louons l'Éternel? Hein? Quand est-ce que nous louons l'Éternel, nous tous? Quand il n'y a pas de problème. Non, quand il y a la solution, quand on voit la solution comme ça. Ah, c'est ça la solution. Là, on loue l'Éternel. Oh, la solution nous a déjà précédé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, sur quel jour? Dimanche. Dimanche. Réellement, qui peut me dire avec exactitude ce qu'elle va manger vendredi? Vendredi prochain, pas passé. Aujourd'hui, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Qui c'est ce qui va manger? La boule. Hein? Sa boule. Allez, qui c'est? Personne ne sait pas vraiment ce qui va manger. C'est toi qui va manger. Bien. On peut faire un programme, c'est bien. Alléluia. C'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a des choses dont la solution nous précède. Ce que tu vas manger vendredi, la solution, c'est que tu vas manger déjà il y a précédé. Tu peux dire, moi, je vais manger la semoule qui arrive ce jour-là vendredi, tu as diarrhée. Donc, je ne sais pas ce que tu vas manger. Mm-hmm. Vous comprenez? Mm-hmm. Vous comprenez? Amen. Mais l'Éternel lui-même, il s'est déjà précédé. La solution que tu vas manger vendredi, il a déjà donné la solution. La solution que tu as précédé. Dans toutes les situations, ce que nous devons savoir, la solution nous a déjà précédé. Amen. Alléluia. Amen. C'est très simple. C'est très simple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec la technologie de la médecine, n'est-ce pas? On sait que on va faire l'examen pour savoir quel sexe. Mais avant que le médecin puisse voir le sexe. Alléluia. La solution déjà précédée. La solution déjà précédée, si c'était un homme ou si c'était un. Si c'était une fille ou si c'était un garçon. La solution a déjà fait quoi? Précéder. Alléluia. Amen. Est-ce que les médecins qui ont précédé la solution? Non, ce n'est pas le médecin. Alléluia. Amen. Qui a précédé la solution? C'est l'Éternel qui a précédé la solution. Amen. Qui a précédé la solution? C'est l'Éternel. C'est lui qui vous cherchez. On est en train de chercher. Ok. C'est bien de chercher. Mais ce qu'il faut savoir, la solution vous a déjà précédé. Et c'est là où il y a les problèmes chez nous, les êtres humains. Pourquoi? Parce qu'avant que nous puissions voir et toucher la solution, il y a la crainte. Envoyé par quoi? Par la crainte. La crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci, la crainte de ceci. C'est bien, mais ce n'est pas ça la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de savoir que nous cherchons la solution.
en cherchant la solution. La solution de la précédée. Alléluia. Amen. Quand tu définis la solution du diable, est-ce que tu vois que le mari veut dire tout? Parce que. C'est ça l'être humain. L'être humain, je le répète encore, a besoin de quoi? De voir au lieu de toucher. Alléluia. Mais la solution t'a déjà précédé. Parce qu'avant que tu ouvres ta bouche pour prier, il a déjà répondu. Amen. Est-ce que tu ne sais pas? On ne sait pas. On est toujours dans la crèche. Là, tu es en train de regarder. Mais c'est le diable ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait la résurrection? Il l'a ressuscité pour. Pour qui Jésus-Christ est ressuscité? Pour quel but? Tu sais pas voir. Quel est le critère de savoir? Il est un mot. C'est pour te restaurer. Jésus-Christ n'est pas ressuscité pour lui. Parce qu'il avait le pouvoir même à un jour. Non, la résurrection, ce n'est pas pour lui. Et pour ça, il faut savoir aujourd'hui. La résurrection, ce n'est pas pour Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La résurrection, ce n'est pas pour lui. La résurrection est pour moi, pour me restaurer. Parce que, je ne répète pas, parce que j'étais une personne sans cité, sans promesse, sans alliance, sans Seigneur Jésus-Christ. Des milliards d'années. Quand vous lisez d'Adam et Sion, vous allez comprendre. Et la résurrection, c'était pour te dire, mon fils, ma, je suis venu pour que tu puisses être restauré à tout égard. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit. C'est lui qui vous cherchait. Il n'est point ici. Il est déjà ressuscité. Et comme il est ressuscité, il vous a déjà précédé. Pourquoi? Pour dire quoi? Vous, femmes, vous, hommes, vous cherchez. Et regardez l'être humain. Les femmes vont envers les hommes. Enfin, on était là. Quand on est arrivé là, il n'est plus là. Il n'est plus là. On nous a dit qu'il est ressuscité. Regardez les disciples. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Quand on a dit qu'il est ressuscité. Il dit, ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Ouais, l'être, il n'est que soit l'homme ou la femme. Qu'ils ont fait? Ils sont alors, André, Luc, Mathieu, allons-y. Oh, la solution, les a aussi déjà fait quoi? Précédé. Ouais, l'être, il est. Qu'ils soient l'homme ou la femme, la solution dans notre vie à nous tous. Nous précède d'avance. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et ce que tu dois savoir, ce que moi je dois savoir, que la résurrection, ce n'était pas pour le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'était pour moi, pour me restaurer à tous égards. Pourquoi? Vous regardez bien. Le temps où tu te trouves. La situation qui est en train de passer, de traverser. C'est dur quand même, hein? Et si je m'en prends un peu de temps, c'est dur quand même, hein? C'est dur quand même, hein? Quand même, je dis. Tu vois, je ne vois pas que c'est dur quand même, hein? 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 Mes amis, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, devant une situation où on oublie que la bonté de l'éternel se renouvelle chaque matin. Ça, c'est. On oublie que la résurrection,
pour lui, c'est pas pour ça. C'est pour toi et c'est pour moi, pour que je puisse être restauré dans cette situation que je suis en train de traverser. Et dans cette situation que je suis en train de traverser, la solution a déjà précédé depuis longtemps. Alléluia. Amen. Bon, regardez. Écoutez. Où est ta foi? N'est-ce pas qu'on nous dit dans le la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'on espère, n'est-ce pas? Qu'on espère. Donc, ça vient là précéder. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, pourquoi tu dis à personne que tu n'as pas la foi? Non, il faut dire non. Tu n'as pas la science qu'il a déjà accomplie. Parce que ce jeu t'a déjà précédé. L'être humain croit quand il voit la. Ah! C'est ça, oui. Là, c'est ça qu'on. Ah! J'ai touché. Je vis, j'ai touché. C'est bon. C'est bien. Il n'est point ici de le ressusciter. La résurrection. La résurrection. Regardez-moi. Il le ressuscité. Ce n'est pas pour nous, le Seigneur est ressuscité. Il est ressuscité pour moi et pour toi, pour te restaurer. Parce que tu étais méprisé, abandonné, rejeté, on a fait. Ne doit aucun cas. Ça, c'est le cas de quoi là qu'il met à des côtés. Mais le but normal de la restauration, c'est-à-dire se remettre la personne à l'état initial. C'est ça qui est bon, qui fait le mot restauration. C'est-à-dire, Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour te remettre à l'état initial de ta vie. Amen. Quand tu es né, tu connaissais tous ces problèmes? Hein? Quand tu es né, nous tous ici. Quand on est les enfants, regarde les enfants qui sont en train de jouer ici. Est-ce que les enfants savent le problème? Non. Ils savent le problème? Non. Ah! C'est ça la restauration. C'est pour remettre la personne à l'état initial. La restauration signifie en français remettre la situation à l'état initial. Donc, dans le plan de l'Éternel, dans son plan, il veut te remettre à l'état initial. À l'état initial, comme je vous ai dit le dimanche, que vous êtes l'ouvrage de l'Éternel. Créé pour quoi? Pour glorifier son nom. Dans toute situation, ce que tu dois te dire, te poser la question, ce que Dieu veut pour ma vie, c'est pour que je puisse être remis à l'état initial. Alors, pourquoi la situation est là? Posez-vous la question. Tu es né avec ces problèmes? Non. Non. Tu as grandi avec ces problèmes? Non. C'est à un certain âge, là, pop, il y a une situation qui t'arrive, qui te fait devenir esclave. Qui te fait devenir quoi? Esclave. Et à ne pas oublier que le thème que nous avons, c'est que les liens de la servitude tombent. Servitude, c'est-à-dire être esclave. Mais on dit ceci ce matin qu'il est ressuscité pour nous restaurer. Et la restauration signifie remettre à l'état initial. Et le Seigneur est sauvé ceci. S'il est venu sur la planète, c'était pour racheter. Parce qu'on avait une dette envers qui? Envers celui que nous dépendons. La Bible dit, chacun de nous est esclave de celui qui a triomphé en lui. C'est lui qui était triomphé en toi, c'est celui qui était esclave. Mais celui qui est venu me dire non, je t'ai racheté. Pour te racheter, je t'ai restauré. Et restauré, tu as dit quoi? Tu es remettre dans l'état initial. Pourquoi là, tu es esclave? Des situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Posez la question à la personne d'abord. Pourquoi tu n'es pas l'état initial comme tu es venu dans ce monde? Pourquoi tu n'es pas l'état initial? Pourquoi tu n'es pas l'état initial?
Hein? Pourquoi tu n'es pas l'idée? Parce qu'à l'état du ciel, amenez-moi un petit enfant là. Regarde mon fils là qui est là, bien assis avec quoi? La tablette, les tablettes. Il est là. Hein? Il sait que quelqu'un ne va manger, il sait. Il ne sait rien. C'est ça l'état initial de l'éternel. Mais c'est quand on grandit dans la société. Hein? La société. On dit. Ah! Et d'ailleurs, toi, tu sais qui est métier de venir. Le terroriste commence à faire à te terroriser. Comment il fait ça? Les terroristes commencent à faire quoi? À te terroriser. La crainte commence. Et je vais vous donner un exemple. Quand tu avais 5 ans, est-ce que tu avais la crainte? Ah non, hein? Oh, alléluia. Mais c'est la société quand tu es grandi, qu'on t'a terrorisé, on a mis quoi? Hein? La crainte. C'est comme ces femmes-là. Quand Jésus-Christ était les femmes étaient venues les filles. Oh, ça va bien, Quand on l'a arrêté, les mariés, oh. Et les hommes étaient là-bas de l'autre côté, de loin. La crainte c'est les hommes, la crainte c'est les femmes. Mais ils ont oublié quelque chose, nous avons oublié quelque chose. Qu'il était déjà ressuscité. Et la résurrection signifie la restauration. Et la restauration signifie remettre à l'état initial. À l'état initial, c'est-à-dire, nous devons vivre dans l'état initial pour avoir, au moins pour avoir la croissance à tous égards, qu'on puisse produire la gloire de l'éternel dans notre vie. Alors, à l'état initial. Regardez-moi bien. Alléluia. Tu as acheté la voiture. Quand on a acheté la voiture neuve, même, qu'est-ce qu'on fait? On monte dans la voiture, on démarre, et puis on y va. On ne se pose même pas la question, et la voiture va tomber en panne, n'est-ce pas? On ne se pose pas même pas cette question. Regarde maintenant après quelques années. Après 5 ans, quand tu as fait contrôle pour moi, il y a ça qui a remplacé. C'est la même chose que dans le monde spirituel. Alléluia! Alléluia! Dans le monde spirituel. On te dit, ça, laissez-moi se mettre. Non, écoute-moi, je vais te remettre à l'état initial. C'est ça qu'on appelle la restauration. Regardez la personne, fixez le regard de la personne. Regarde la personne, fixez le regard. Fixez le regard. Dis à la personne, l'état initial des choses. Alléluia. Regardez maintenant l'exemple que j'ai donné.
L'état initial de ça. L'état initial. Quand tu as vu la personne pour la première fois, si tu les hommes, les hommes, et les femmes, ça va là? On revient à l'état initial là. À l'état initial. Répondez à la personne. Tu dois retourner à l'état initial. Encore à haute voix. Tu dois retourner à l'état initial. Il y a tu dois retourner à l'état initial quand je te aime là. Alléluia. Lui, j'ai commencé à l'état initial là. On va savoir. Alléluia. À l'état quoi? Initial. Initial avec toi. Alléluia. L'état initial. Où les trois filles? Aujourd'hui, hein? Aurélie, tu dois retourner à ton état initial. Tamara, tu dois retourner à l'état initial. Amy, tu dois retourner à l'état initial. Ah! Béatrice! Aujourd'hui, le thème c'est la restauration. À l'état initial. Tiens, frontière dans l'état initial. J'ai l'état initial. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. La résurrection signifie remettre à l'état initial, c'est-à-dire la restauration. Aujourd'hui, je vais terminer par là. Même les enfants doivent avoir l'amour avec les parents à l'état initial. Amen. Les enfants, vous les enfants, même, vous devez avoir l'amour avec vos parents à l'état initial. Aujourd'hui, c'est la restauration. Initiale, c'est-à-dire au début, hein? Au commencement, à l'origine, il ne faut pas, regardez-moi ici, c'est pas là, il ne faut pas se dire, non, à l'état initial. Si ton mari, ta femme te dit, à l'état initial. Bernard, assez Bernard. Aujourd'hui, tu es touché. Bernard, à l'état initial. Amen. Alléluia. Ah oui, allez, à quel signal? Il va venir, pasteur. C'est toi, le papa, à l'état initial. Alléluia. Alléluia. À son état initial, là, c'est ça que l'éternel, Seigneur Jésus, veut dire faire sur la planète terre. Mes amis, la résurrection, ce n'était pas seulement que. On sent qu'il est ressuscité, on va la défaite. Non, il faut comprendre bien ça. Il faut comprendre que signifie la résurrection. Alléluia. Amen. La résurrection, il est ressuscité. Ce n'est pas pour lui Jésus-Christ qui est ressuscité. Non, c'est pour moi. C'est pour toi. C'est pour nous. Ce n'est pas pour lui. Parce que lui est Dieu. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin de ça. C'était pour nous. Il a été humilié à notre place, identifié, abandonné, rejeté. On n'a pas fait de lui aucun cas. Est-ce qu'il ne savait pas que la tristesse sera là? Il savait. La dépression sera là? Il savait. La neurosité sera là? Il savait. Le problème qui est en train de traverser, il ne savait pas qu'il savait.
C'est là où tu dis aujourd'hui, hein? Aujourd'hui. Hein? C'est la résurrection. Mais c'est que la résurrection dit quoi? L'état, te remet dans l'état initial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est quoi? Tout n'est pas encore acquis quand tu n'es pas encore arrivé à l'état initial. Parce que à l'état initial, on n'avait rien. Hein? Oh! Mais quand on a le Seigneur, je suis déjà arrivé. Tu n'es pas encore arrivé, tu n'arrives pas avec le Seigneur de sauver Jésus-Christ. De savoir que je suis à l'état initial. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les politiciens. Quand ils ne sont pas encore élus, ils vont faire la publicité. Ils sont de là où ils vont te saluer avec le respect. Et tout avec le respect. Mais après les élections, ils te voient d'abord, ils viennent t'écraser avec ta papille. Ou bien les gars de ton côté. Hé, là-bas! Alléluia. Amen. Et l'oubli qui a été initialité au pouvoir, prière. Alléluia. Alléluia. Donc, à l'état, c'est votre vie, départ de qui? Du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dis à la personne que, à l'état initial, ta vie dépend du Seigneur et Sauveur. Dis à la personne qui est à côté de toi. À l'état initial, ta vie dépend du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans l'état contraire, ta vie sur la planète de Dieu va échouer. Je dis la vérité. Va échouer. On peut te donner tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas à l'état initial, ça veut dire avec le Seigneur, ta vie va échouer. Alors, on va se mettre les jours. Mettez les jours. À l'état initial. La résurrection. Quand vous lisez Matthieu 28, vous allez voir la résurrection de Jésus-Christ. Ils sont venus les femmes pour aller l'embaumer. Ne crains pas, celui qui vous cherchait n'est plus lui, il est ressuscité.